Au centre de la ville, près de la place Niemen. Et l'hôtel se trouve à une trentaine de kilomètres de l'aéroport. Pour y arriver, il faut compter entre 40 minutes et entre 45 minutes. Le but principal de notre agence d'organiser des voyages, c'est surtout pour faire mieux connaître la Chine, et surtout la Chine nouvelle. Et aussi gagner de l'amitié. Et pas dans ce sens-là, nous vous recevons d'une manière plutôt amicale que touristique. Et nous savons bien, vous aimeriez bien visiter des monuments historiques, des lieux pittoresques. Ça, c'est tout à fait compréhensible. De notre part, nous aimerions vous faire montrer les deux aspects, aspects anciens et aspects.
50 plus d'un million d'ouvriers travaillant dans des entreprises industrielles et minières. Et en 1975, la production globale de l'industrie de Pékin est 130 fois plus élevée qu'en 1949 et 25 fois plus élevée qu'en 1965, c'est-à-dire l'année précédant la révolution culturelle prolétarienne. Les étrangers seront impressionnés par le grand nombre de bicyclettes. Les 2 millions de bicyclettes à Pékin, il y a 2 millions de bicyclettes, constituent un des principaux moyens de transport et d'habitation de l'avenue Chang'an. Le prix est accordé au pays d'abondantes moissons. Et le peuple travailleur n'avait jamais eu le droit de pénétrer dans ce jardin. Tout récemment, au début de cette année, on a repeint dans l'ordre original. Il donnait un compte rendu, entré en communication avec le ciel sur tertre, le tertre du ciel. Et avec des tablettes, il transportait les tablettes ici pour les conserver. La femme qui a de tout petits pieds. Et c'était un film de beauté ou qu'est-ce que c'était? Sortir pour licoder les femmes dans la maison. On a cassé les os. On a cassé les os. Hein. On a cassé les os et oui. Avec des bandes, on roulait, on bandait des pieds. On déformait, c'est ça. Les os cassés. Et quelquefois, on versait de l'eau bouillante sur la pierre. De tous les membres de notre commune, et je vous exprime le souhait de bienvenue. Nous avons fourni à l'État 230 000 canards gardés à l'État.
La nourriture de l'acier, si on ne mange pas. L'été a été ravagé deux fois dans l'histoire. Il a fait reconstruire ce palais avec un crédit, destiné auparavant à l'établissement d'une armée maritime pour faire reconstruire. Et après la libération, c'est-à-dire après 1949, ce palais est revenu aux mains du peuple. C'est un lieu très. La Grande Muraille a une longueur de 6000 km. Elle part de Shenhaikouan sur la mer Borée et termine à Tiayikouan dans la province Gansu. Et elle traverse 6 provinces chinoises. Au début, c'est-à-dire à l'époque du royaume Gongbadan, les principautés ont fait construire des murailles d'envergure différente dans le nord du pays. Pour se défendre mutuellement et pour se protéger des invasions des nations nomades. Et au 4e siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Qin, l'empereur Shuangti, a unifié toute la Chine. De 2 mètres de haut sur 1 mètre d'épaisseur qui fera le tour du globe. Dumbo de Mie. Et. 13 tombeaux sont abrités dans la vallée assez vaste qui est appelée la vallée des tombeaux de Mie. Le tombeau que nous allons visiter aujourd'hui est le tombeau du 13e empereur de la dynastie de Mie. Il a été nommé l'héritier à l'âge de 8 ans, mort à l'âge de 48 ans. C'est-à-dire 20 ans plus tard, il y a été enrhumé 20 ans plus tard. Ce mandarin, deux mandarins civils, deux mandarins militaires et deux mandarins de mérite. Il y a au total, dont certains. C'est pas la peine de casser votre bande! Non, allez-y. Ça veut dire une semaine, oui, la signification, le sens de ce mot-là. Une semaine. Oui, un jour, ça veut dire une semaine. Nos chaleureux souhaits de bienvenue aux amis français de l'hôpital au nom du comité révolutionnaire de l'hôpital Ti Shui Tan. L'hôpital est une polyclinique spécialisée tout particulièrement dans l'orthopédie traumatique. Le parti et le gouvernement populaire attachent de l'importance à la santé du peuple. L'opération sous anesthésie par acupuncture, on doit effectuer un travail idéologique à l'écart des patients pour qu'ils sachent de quoi s'agit-il l'anesthésie sous par acupuncture. L'anesthésie par acupuncture possède les mêmes qualités, les mêmes avantages. Les êtres bébés.
un proverbe français. C'est partir, démourir un peu, c'est ça. Et je vous souhaite bon voyage, hein, bon voyage et bonne santé. Merci. Et surtout le jeune couple du couple. Et... Non. Le plus dynamique. Non, le plus indiscipliné. Chaleureuse bienvenue, Nankin. Le Nankin a deux étages. Le cours total du pont ferroviaire est de 6772 mètres. Et la largeur du pont ferroviaire, c'est 14 mètres. Longueur totale du pont routier, c'est 4589 mètres et sa largeur 19 mètres naturels. Il couvre une superficie de 444 hectares. Chaleureuse au groupe de voyage en Chine des Français organisé par l'association franco Tous les enseignants élèves ont critiqué successivement la ligne révisionniste formulée par Liu Shaoqi, Lin Biao et la bande des quatre. Prendre le corps d'un chien et l'attendre une viande léchante, c'est bien être président de l'Assemblée nationale de notre pays. Il a même fait une fausse accusation de notre premier ministre Zhou Enlai auprès du président Mao. Une caricature faite oui. par les élèves. Et jugée par la caricature de la bande des quatre. La bande voulait usurper le pouvoir de l'État et du parti, mais maintenant il est condamné par le peuple chinois. Le président Mao avait fait depuis longtemps mener des luttes contre sa femme. Ah oui? On ne savait pas. Non. Et un grand pionnier de la révolte de la dynastie des Qing et mis fin à la chine absolue deux fois millénaire en Chine et fondé la République chinoise. Je suis un peu plus de temps.
Pak Linggu est à l'origine, et c'est monastère Lingdi de Ming. Alors, le monastère est à l'origine, se trouve du tombeau des Ming. C'est le premier empereur de la dynastie des Ming, choisit l'endroit pour construire son propre tombeau. Il a déplacé le monastère de là, d'ici. Alors, il vivait 1000 moines. Mais la plupart des Ming contre le mouvement de Taiping. Le tombeau des Ming a été construit par l'empereur Zhu Yuanzhang au XIVe siècle. Alors, la plupart des bâtiments ont été détruits aussi pendant la guerre de la dynastie Qing contre le mouvement de Taiping. Maintenant, il reste seulement une colline qui n'a pas découvert. Alors, c'est le tombeau des Ming est un des unités c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir placé sous la protection de l'État. C'est-à-dire la province et la municipalité n'a pas le droit d'ouvrir ce tombeau. Salivarant à l'agriculture, pisciculture, l'élevage, les occupations subsidiaires.
On allait visiter une fabrique de débitage des cocons de verre à soie. Des figurines en argile. Shanghai est une métropole industrielle de la Chine. Elle est une des trois grandes villes subordonnées directement à l'autorité centrale. Les deux autres sont Tianjin et Pékin. Shanghai, y compris la ville et la banlieue, s'étend sur une superficie de 6185 km2. Donc 140 km² appartient à la ville proprement dite, le reste à la banlieue de Shanghai. Et sur le plan organisationnel, la ville proprement dite est divisée en 10 arrondissements et la banlieue est divisée en 10 districts. L'autorité suprême de la municipalité est le comité révolutionnaire de la municipalité. Une des instruments optiques de Shanghai. So
le cirque de Shanghai. D'habitation des ouvriers chrétiens. Il y a les petits pandas et les grands pandas. Les grands pandas, c'est noir et blanc. Les petits, c'est brun. Les pandas mangent du bambou dans cette province. À fond la bande des quatre et imprimons un nouvel essor pour s'inspirer de Ta Ching et de Ta Chang. On est une inclusion pour s'inspirer à l'esprit de Ta Chang et de Ta Ching pour la réunion.